Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Comment est-ce que tu peux augmenter ta confiance en toi avec les femmes? Mais en vérité, ce n'est pas avec les femmes. En vérité, c'est comment est-ce que tu peux augmenter ta confiance en toi-même d'abord? Parce que si tu as confiance en toi, ce n'est pas les femmes qui vont te faire peur. Tu comprends un peu? Et la majeure partie des gens pensent que la confiance en soi vient comme ça. Vous comprenez un peu? La confiance en soi ne vient pas comme ça. La confiance en soi d'un homme est basée sur des choses. Tu comprends un peu? Mais d'abord, il y a une certaine confiance en toi que tu dois avoir même avant d'accomplir des choses. Tu comprends un peu? Parce que pour accomplir des choses, il faut d'abord que tu crois au fond de toi que tu peux accomplir ces choses-là. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre depuis que je suis sur cette chaîne. Le mindset. Ce qui différencie un homme d'un autre homme, c'est sa manière de voir la vie, sa manière de penser, sa perspective, comment il voit les choses. Vous comprenez un peu? Et celui-là, je vous dis toujours, celui-là, ils ont brisé son cœur. Celui-là, ils lui ont fait du mal. Celui-là, son père sombrait dans l'alcool. Et il a regardé son père et il a dit que non, comme mon père buvait, comme mon père était tant, c'est dans mes gènes. C'est pour ça que je suis comme ça. Tu comprends un peu? Et à celui-là à qui ils ont brisé le cœur, il y a celui-là qui a vu son père dans la pauvreté, il y a celui-là qui a vu sa mère essuyer certaines crasses et il a dit que non, moi je ne dois pas être comme ça. Tu comprends un peu? Mais cette confiance-là vient du cœur d'abord. Il faut que tu crois d'abord que je peux changer. Ça vient de toi. Et c'est ce qu'il vous dit toujours. Il y a des choses qui sont en toi et que personne ne peut voler. Et c'est ça que les gens jalousent. Tu comprends un peu? C'est ça que les gens jalousent. Le moment où tu commences à avoir une extrême confiance en toi, les gens disent non, tu es une personne chaude. Les gens disent non, tu es une personne comme ça. Les gens disent non, tu es une personne comme ça. Tu es une personne qui a la détermination. Tu es une personne qui connaît. Tu es une personne qui a la confiance. Ça vient du cœur. Ça vient de ton fort intérieur. Ça vient de ton pourquoi tu fais les choses. Pour ça, il faut que tu trouves ton pourquoi avant de faire les choses. Il faut que tu saches pourquoi je fais. Les gens font les choses et ils ne savent pas pourquoi ils font. Tu vas à la gym, mais tu ne sais pas pourquoi tu vas. Tu travailles, tu gardes ton argent, mais tu ne sais pas pourquoi tu gardes. À cause de ça, qu'il y a un moment, tu t'arrêtes. À cause de ça, qu'il y a un moment, tu t'arrêtes. La dernière fois, il y a un petit qui est venu commenter en bas de ma vidéo que mon vieux, il va te dépasser. Je lui ai dit, mon fils, il n'y a rien qui est impossible. C'est à cause de ça qu'on est nos limites. Parce que tout ce que ton esprit conçoit, si tu crois vraiment et que tu es prêt à faire les efforts et les sacrifices qui vont avec, mon frère, tu peux accomplir. Mon frère, tu peux accomplir. Et ça, c'est la devise. Et ça, c'est ma manière de penser première. Ce que je pense, c'est quoi? C'est que si quelqu'un a déjà fait, frère, il peut faire. Si quelqu'un a déjà fait, c'est qu'il peut faire. S'il y a dans ton bidonville où tu es, il y a quelqu'un qui s'est battu jusqu'à ce qu'il est sorti de l'air, il est devenu président. C'est pas un extraterrestre, c'est un homme comme toi. Il a deux pieds, deux bras, il a un cerveau. Il a 24 heures dans la journée. Il n'a pas 78 heures dans la journée. Et tu peux faire aussi. Ça dépend de en quoi tu crois. Ça dépend de comment tu crois. Ça dépend de ta manière de croire. Ça dépend des sacrifices que tu es prêt à faire. Une confiance en toi que quand tu as, ça dérange les gens. Une certaine confiance en toi. Parce que la majeure partie des gens, quand tu commences à avoir confiance en toi, confiance dans un sujet que tu prends bien, tu sais parler avec autorité sur ce sujet-là, et que tu maîtrises ce sujet-là, ça dérange les gens. Ça dérange les gens. Mais tu sais où tu as confiance en toi? Tu sais où on voit que tu as confiance en toi? C'est quand tu t'en fous qu'ils soient dérangés. Le game est réel, mon frère, réveille-toi. La vraie confiance en toi, c'est quand tu t'en fous qu'il soit dérangé. La vraie confiance en toi, c'est quand tu t'en fous que celui-là me regarde mal. C'est quand tu t'en fous que celui-là dit non, lui-là c'est un black, comment il peut rouler une Lamborghini? Celui-là dit que non, lui-là c'est un black, il peut pas avoir 1 million, 2 millions de dollars. Et puis tu les montres ça, c'est de là que ça part. Quand tu apprends à t'en foutre des gens, tu comprends un peu? Mais la confiance en soi est basée sur quoi? Quand tu as cette confiance première en toi que tu crois que tu peux faire, la confiance en soi est basée sur les accomplissements que tu te donnes et que tu réalises. Tu comprends un peu?
les accomplissements que tu prévois et que tu réalises. Et ce que les gens ne comprennent pas, ces accomplissements-là, tu n'as pas besoin de construire 3 immeubles, non. 3 immeubles, non, tu n'as pas besoin de ça. Ce dont tu as besoin, mon frère, ce dont tu as besoin pour avoir cette confiance en toi, c'est quoi? C'est de te réveiller le matin à 6h. C'est de te dire non, il va boire un verre, une bouteille d'eau, un litre d'eau dans la journée. C'est de te dire non, il va faire 1 heure ou 2 heures à la gym dans la journée. Et c'est là que ta confiance naît. Parce que tu as plus cette confiance en toi que ce que tu dis, tu fais. Ce que tu dis, tu fais. Ce que tu dis, tu fais. Pourquoi est-ce que vous pensez que non? Il y a confiance en moi-même. Parce que je suis loin d'être arrogant. Il y a des personnes qui prennent ta confiance en toi pour de l'arrogance. Non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. Tu n'es pas arrogant. Mais il faut que tu saches, quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu as déjà accompli. Frère, c'est pas quelque chose qui a te fait peur. Quand une gars a brisé ton cœur, quand un gars a déjà joué avec toi, quand un ami t'a déjà trahi, et puis toutes ces situations-là, toutes ces situations, toutes ces adversités que tu as vues là, tu t'en es sorti. Frère, tu attends le prochain. Frère, t'attends le prochain pour lui montrer de quel feu tu es fait. T'attends le prochain pour lui montrer de quel bois tu te chauffes. C'est comme ça en fait. Et ta confiance en toi grandit. Parce qu'il te dit un petit truc. Le moment où les gens vont sentir que tu es un homme qui a confiance en toi, c'est là tous les démons vont venir. C'est là tous les démons vont venir. Celui-là va venir. Il va te dire non, bro, ta manière de faire là, non. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu te réveilles le matin, tu postes des vidéos dans ta voiture? Pourquoi tu te réveilles le matin et tu manges dans tel restaurant? Pourtant, au fond de lui, il aimerait agir comme toi. C'est comme ça que tu sais que lui, là, c'est un hater. Tu comprends un peu? Au fond de lui, il aimerait faire comme toi. Mais comme il n'a pas cette force mentale, il était dit, c'est en toi, petit. Il t'a dit c'est en toi mon frère. Il t'a dit c'est en toi. Et ce qui est en toi, ils ne peuvent pas voler. Ce qui est en toi, ils ne peuvent pas voler. Ils peuvent voler ta voiture. Ils peuvent voler ta femme. Ils peuvent voler ta maison. Ils peuvent voler tes bijoux. Mais ce qui est en toi, ils ne peuvent pas voler. Il va finir de voler tout ça, mais il ne sera jamais à l'aide. Percé en toi. C'est en toi. Et ce qui est en toi, on ne peut pas voler. Il t'a dit quoi? Personne ne peut te décourager si tu n'as pas laissé rentrer dans ton oreille. Personne ne peut te décourager si tu n'as pas laissé entrer dans ton esprit. À cause de ce n'est pas du mindset. C'est le mindset qu'ils vont essayer de briser. C'est le mindset que les petites vont essayer de briser. Elle va voir que non, lui il est populaire, lui il déborde de confiance en lui. Lui il est beau. Vous avez fait la vidéo la dernière fois. Lui il est beau, lui il a du statut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais jouer la difficile pour ne pas qu'il mette, pour pouvoir briser sa confiance en lui. Et elle va voir que non, le gars s'en fout d'elle. C'est là voir que non, elle a réellement confiance en lui. Et maintenant, elle revient à toi. Maintenant, tu te fous d'elle aussi. C'est comme ça se passe, les gars. C'est comme ça se passe. C'est comme ça. Faut montrer aux gens que tu n'es pas celui avec qui on s'amuse. Voilà. C'est le vrai game qui la montre aux gens que tu n'es pas celui avec qui on s'amuse. Et cette confiance-là doit être bâclée par un travail. Cette confiance-là doit être bâclée par une éthique de travail. Cette confiance-là doit être bâclée par une éthique de travail folle. Non, on parle pas dans le vide. On parle et puis on est là. Je vous ai dit quoi? Pour émerveiller les gens, tu es là. Toujours tu es là. Aujourd'hui tu es là. Demain tu es là. Après demain tu es là. Jusqu'à ce qu'ils soient fatigués de te regarder parce que tu es toujours là. Eux-mêmes ils ont mis dans leur esprit qu'il sera là. Donc ils ne viennent plus te regarder. Petit, faut apprendre à fatiguer les haters. Faut apprendre à fatiguer les gens. Faut apprendre à fatiguer les esprits, faut apprendre à jouer et puis tu es toujours là, tu es déterminé. Quand n'arrive pas à te briser, ça les brise. Quand n'arrive pas à te briser, ça les brise. Quand n'arrive pas à t'enlever dans ton. Écoute bien, ils ne seront jamais désolés pour ce qu'ils t'ont fait de mal. Ils ne seront jamais désolés pour ce qu'ils t'ont fait de mal. Ils ne seront jamais profondément désolés pour ce qui t'ont fait de mal. Pour ça qu'en 2023 là, nous aussi on fait ce qu'on veut, on fait ce qui est bon pour nous, on fait ce qui va arranger notre vie, ce qui va arranger notre bien-être. Et on s'en fout de ce qu'ils pensent. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Je te dis, le moment où tu vas commencer à travailler sérieusement sur toi, le moment où tu vas commencer à prendre ta gym très au sérieux, prenez la gym très au sérieux. Le moment où tu vas commencer à prendre ce que tu manges très au sérieux. Le moment où tu vas commencer à prendre tes finances très au sérieux. Le moment où tu vas commencer à prendre le plan de ta vie très au sérieux. C'est le moment où tu vas voir que les gens même qui sont tes proches vont commencer à changer de visage.
Mais il a dit quoi? La vraie confiance en soi, c'est de s'en foutre de ce qu'ils pensent. C'est de s'en foutre de comment ils se sentent. C'est de s'en foutre de ce qu'ils ont à dire sur moi. C'est lancer que tu as confiance en toi. Tu comprends un peu? C'est lancer que tu as confiance en toi. C'est comme si tu sais, tu vas dans une école et tu sais que tu es là. Toujours ils parlent de moi dans le dos. Toujours ils parlent de moi dans le dos. Mais chaque jour tu viens et puis tu as bossé les leçons. C'est 18 YouTube. Ils t'aiment mais ils peuvent rien dire. Ils t'aiment pas mais ils peuvent rien dire. Peut-être être trop fort dans ça à l'internat. Mon professeur d'anglais, mon professeur d'histoire, je ne peux pas me supporter. Il m'aime pas, mais il est obligé de me donner 18. Mon professeur d'anglais, il m'aime pas, mais il est obligé de me donner 19. Ils sont obligés de venir dans l'école pour dire quelqu'un est le plus fort en anglais ici, c'est Devous. Prenez-le pour aller faire compétition. Il voit sur son visage qu'il a la haine. Il a la haine, bro. Mais le champion Dave s'en travaille. Parce que quoi? Quand mes amis étaient en train de jouer, il y avait mon petit dictionnaire d'anglais, il était en train d'apprendre. Il a appris l'anglais seul. Et vous avez dit ça, non? Avec la musique, les choses qu'ils cherchent. Les gars sont là, ils ont la haine, mais Dave ne fait que les ambiancer. Ils ont la haine, mais Dave ne fait que montrer qu'il est le meilleur, il est le plus fort. Souvent, il donne des exercices, mais il fait comme s'il s'est trompé de me donner une mauvaise note. Quand il m'a corrigé comme ça, il dit, bon, je n'avais pas vu, il a la haine, petit. Il a la haine, c'est comme ça. La confiance en soi vient du travail qu'il est prêt à faire et la confiance en soi vient de ce qu'il est prêt à abandonner. Ça, c'est la troisième partie. Ta confiance en toi vient de ce que tu es prêt à abandonner pour atteindre tes objectifs. La confiance en toi vient de ça. Ce que tu es prêt à abandonner. Bon, il vous a dit non. Il était un gros fumeur de weed. Il appréciait la weed. Et il n'est pas honte de dire ça. Parce que c'est de mes échecs là que les gens vont s'améliorer. Voilà. Pour ça, vous avez dit quoi? Ne cachez pas vos échecs. C'est tes échecs qui vont te permettre de parler aux gens d'un point de vue de sagesse. Parce que tu as fait, tu as vu. Et puis tu as vaincu. Voilà. Donc comprenez, il fumait la route. Mais après mon gros cœur, un jour, et puis il a dit que je fume plus. Si elle va fumer, elle mourit. Elle fume plus. Et puis elle n'est plus fumée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 5 ans après. 4 à 5 ans maintenant, c'est non, la 5e année. Et puis elle dit qu'elle fume plus, oui. Pas qu'elle n'ait pas eu de tentation. Pas qu'elle n'ait pas eu d'amis qui fumaient autour de moi. Parce qu'elle n'ait pas eu ça. Mais si éloigné du groupe qui faisait ça. Et c'est quand tu sors du groupe que tu vois qu'il y a des amis qui ne sont que des amis de weed. Il y a des amis qui ne sont que des amis de boissons. Ça fait aujourd'hui un an qu'elle n'est pas touchée à l'alcool. Frère, c'est quel plaisantin qui parle français comme un clochard qui a venu me faire peur. Il n'a pas peur de lui. Il y a des adversités dans lesquelles il était qu'il regarde comme ça. Et puis il regarde certaines personnes. Et puis il veut se moquer de moi. Il les regarde comme ça. Il sait que si toi on te met dans quoi moi il était, tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir. La dernière fois, il vient un truc où les gars disaient comme ça que l'homme, on ne regarde pas l'homme, on ne juge pas l'homme à la hauteur qu'il a grimpé. Mais des profondeurs desquelles il s'est sorti. C'est de ça qu'on parle. Mon frère, si tu es dans un bidonville, même si tu as 45 ans, tu peux t'en sortir. Même si tu as 70 ans, tu peux t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir le moment où tu dis que tu ne peux pas t'en sortir. Où il y a la foi, il y a un chemin. Où il y a la confiance en soi, il y a un chemin. Où tu commences à bâtir tes petites habitudes. Tu te dis que non, pendant 3 mois, il va me réveiller à 6 heures. Et quand ton réveil sonne à 6 heures, tu te réveilles. Ta confiance en toi commence à s'améliorer. Quand tu dis non, il va aller 5 fois à la gym pendant 6 mois. Ta confiance en toi commence à s'améliorer parce que tu as fait ça. C'est pas une petite fille dans la rue qui va te faire peur, bro. C'est pas une petite fille dans la rue qui ne sait pas bien laver son caleçon qui va te faire peur. Non, c'est pas elle. Quand tu as vu des addictions comme ça qui te prenaient et puis tu as dit que non, il ne veut plus. Et puis tu fais plus. C'est pas une petite fille qui n'arrive pas à bien manger à la maison qui va te faire peur. Non, tu n'as plus peur de ça. Et comprends. Les gens vont tout faire. Il faut que tu sois averti sur ça. Les gens vont tout faire. Ils vont te regarder mal. Ils vont faire des groupes pour te détester. Ils vont prendre les autres pour te détester. Tes propres copines, les gros qui ont fait des bêtises, qui t'ont dit non, ils ne veulent plus de toi, elles vont se retourner contre toi. Les fans peuvent être des haters aussi. Vous avez dit ça, non?
Les femmes peuvent être des haters aussi. Elle va aller parler à des gens qui ne sont pas, qui sont des ennemis. Elle va aller parler à des ennemis. Elle va aller parler à des adversaires. Elle va aller coucher avec tel ami. Elle va aller faire tant pour te faire du mal. Comme sinon, elle fait du mal à quelqu'un. Elle fait du mal à son père. Tu comprends un peu? Donc les femmes aussi peuvent être des haters. C'est quand tu commences à avoir confiance en toi que tu vois tout ça là. C'est quand tu commences à réellement prendre le travail sur toi. Il t'a dit quoi? Prends ton travail sur toi au sérieux. Faut prendre la gym comme si ta vie en dépendait. Parce que ta vie en dépend. Si tu ne vas pas à la gym, tu vas tomber malade. Ta vie en dépend. Il faut prendre tes finances comme si ta vie en dépendait. Parce que ta vie en dépend. Si tu n'as pas les finances, tu ne vas pas pouvoir manger. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il faut prendre ça comme ça. Et quand tu vas commencer à prendre ça comme ça, c'est là que tu vas commencer à voir le visage des gens. Ceux que tu appelles mes amis. Ceux que tu appelles mes parents. Ceux que tu appelles mes frères. Ceux que tu appelles mes amis. Tu vas voir les vrais visages. Tu vas voir les vrais visages sur la route. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer à croire en toi. Parce qu'il y a des personnes qui t'inspirent. Sans le savoir, il y a des personnes qui t'inspirent. Il y a des gens même qui te détestent, les inspirent en secret. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Ils ont critiqué l'autotune de Booba, mais ils sont en train de saigner l'autotune de Booba. C'est comme ça, hein? C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Ils font semblant de ne pas écouter nos limites, mais ils se cachent pour écouter nos limites. Ils les voient tous dans la salle de sport. C'est comme ça. On n'est pas fatigué, les gars. On est en temps. C'est le mindset qui est là, les gars. C'est le mindset qui est là. Ce mindset ne va jamais changer. Il y a confiance en vous. Mais ayez confiance en vous. Ne vous abandonnez pas vous-même. Personne ne peut te soulever. Soulève-toi toi-même. Soulève-toi toi-même. Si personne ne te soulève, soulève-toi toi-même. Personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Personne ne t'acclame, acclame-toi toi-même. Et soulève-toi pour avancer. Si tu tombes, tu te soulèves. Jusqu'à ce qu'un ami des chasses vienne chasser toi. Et si tu tombes, il te soulève. Parce que deux vaut mieux que. Tu comprends un peu? Voilà, on est ensemble les gars, et vous aime. N'ayez pas peur. Bâtissez votre confiance en vous avec les accomplissements. Bâtissez votre confiance en vous. Ce qui est en toi, faut jamais oublier, on ne peut pas voler. Ce qui est en toi, on ne peut pas voler. Ils vont être fâchés, ils vont être énervés, ils vont être tant. Ils ne pourront jamais voler ça, c'est Dieu donné. Tant les gars, n'oubliez pas de liker ma vidéo. On est ensemble, vous aime. Buvez l'eau. Voilà, buvez l'eau. Il y a d'autres qui disent on ne boit pas l'eau. On recommence à boire l'eau. Je vous aime la famille. Portez-vous bien.